Et maintenant, on va aller au niveau 1-6. Qui est un niveau assez sympa. Donc, on va commencer par accéder au premier tuyau en évitant à chaque fois donc les montées et les descentes ici. Hein, comme on voit, il y a beaucoup de montées et de descentes. On les évite. Et on va essayer de faire le pipe-warp ici. Ensuite, ici, on va se retourner. Sauter sur le premier masquasse. Et ça permet d'avoir plus facilement ce ballon ici. Si jamais on ne veut pas faire ça, on peut faire comme ça de face. Regarder vers le haut et jeter vers le haut comme ça. Donc c'est O et A en même temps. Ou... On voit qu'il faut d'abord faire vraiment O puis A. Voilà, donc c'est un peu plus lent parce qu'on jette l'œuf depuis moins loin, mais c'est une bonne alternative par rapport à regarder en arrière. Oups. Ensuite, on saute très haut. On va attraper le deuxième et atterrir sur la plateforme. Et dès que ça s'arrête de bouger, dès que la plateforme s'arrête de bouger, c'est le bon moment pour sauter ici. Ici, rien de spécial, juste bien passer en dessous du midway pour éviter de perdre le 1,4 secondes. Et on va sauter sur le troisième masquasse pour pouvoir faire l'attaque rodéo. Donc, on peut essayer de sauter sur le deuxième avant, mais il est important de sauter sur le troisième, bien maintenir B appuyé pour regarder un maximum de hauteur et jusqu'à quand on arrive. Relâcher et à faire l'attaque rodéo. Ouais, moi j'aime bien faire ça. Bon, là c'était sur la safe state, je pourrais refaire depuis ici. L'astuce c'est quand même de bien garder B appuyé le plus longtemps possible. Ici, pardon, ici on va faire un neutral pour essayer de tuer les deux ennemis là. Donc vraiment on voit sur la descente ici. On va prendre le premier ennemi ici. On va garder haut droite appuyé. Et dès qu'on va vouloir ressauter sur la plateforme depuis ici, on va appuyer sur B et Y en même temps, tout en ayant diagonale appuyée. Et on voit que ça nous permet d'avoir cette trajectoire qu'a ce petit ennemi. Il va réatterrir parfaitement sur la plateforme et à ce moment-là on peut faire notre extended flutter. Donc voilà, un niveau assez simple quand on a les bonnes visual cues et assez sympa à jouer.